sommes arrivés, ma petite Denise. Ma petite femme. Ah, que voilà mon tout prononcé. Si tu connaissais la première fois. Il me semble que ne laisse bien longtemps seule. C'est vrai. Mes tantes, Catherine et Fanchette, m'avaient pourtant dit qu'elles m'accompagneraient jusqu'ici. Il paraît qu'elles ont de recommandations à me faire. C'est comme le père Mathurin. Il m'avait bien promis d'être là. Est-ce qu'il ne viendrait pas? Hein? Mais non, par exemple. C'est que ça ne sera pas drôle du tout. Pourquoi? Parce que... Rien. Parce que c'est l'habitude. On accompagne toujours les nouveaux maris. C'est quelqu'un qui tombe dans l'escalier. Ce n'est rien. Je reconnais cette manière de marcher. C'est mon précepteur, Maître Posadias. Moi-même, monsieur le comte. Dans l'obscurité, j'ai monté deux marches sans m'en apercevoir. Et ça me l'a fait redescendre six. Et alors, elle... Mais Dieu me pardonne. Vous êtes gris, Maître Posadias. Gris? Oui, ça se voit. Par exemple, moi, un sage, sapiens, non! Je suis gay et brusque. Voilà tout. Que voulez-vous? Un jour de noces pour un homme qui a passé toute sa vie dans l'étude. Vir studieux. Sans compter qu'on a fait circuler Interprocula, un petit vin de Roussillon qui m'a un peu trop bu. Troublé. Ce vin généreux, je l'ai pris d'abord en mer. Après ça, je mérite, mais quand je bois, moi, ça m'altère. Et voilà, je crois, voilà pourquoi j'ai poussé jusqu'à toi. Et voilà, oh, toi, oh, moi, j'ai poussé jusqu'à toi. Et bon, 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 qu'il était bon, le petit Roussillon, il était bon. Mais bon, 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 qu'il était bon. Il était bon, ce petit gueux de Roussillon, il était bon, ce petit gueux de Roussillon. Ce qui fait qu'on deuxième j'étais compté. Et voilà ce qui fait qu'on deuxième j'étais compté. Bon, 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 qu'il était bon. Le petit Roussillon, il était bon. Et bon, 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 qu'il était bon. Bon, ce petit gueux de Roussillon, qu'il était bon, ce petit gueux de Roussillon. Laisse-moi dormir, maman. Pas aux agnasses. Maman. Aux agnasses. Ah. Ah. Mais il n'y paraît pas. Je suis ferme comme un roc. Un pavidum, verriente, ruiné. Un pavidum. Enfin,
Mais que voulez-vous, monsieur le pédagogue? Voilà. Je suis chargé de vous dire que vos tantes, Catherine et Fanchette, vous attendent là. Non. Là. Dans la chambre. Va vite, ma petite Denise. Va à tout à l'heure. Madame la comtesse. Il s'en va. Madame la comtesse, ça sent bien tout de même. Elle part, Mathurin. Oui, monsieur le comte. Votre grand-père, le père Mathurin, oui, est souffrant. À gros tâtes. Il ne peut pas venir et se retirer chez lui. Comment? Il ne peut pas venir? Mais moi, je ne sais pas me passer de lui. Il ne peut pas venir, mais il m'a remis une petite lettre pour vous. Grandis Epistola. À la bonne heure. Oui, il m'a dit. Tu lui remettras ceci. Ce sont mes recommandations. C'est bien, dormir. Et elles vous ont. Vous devez avoir besoin de dormir. Je m'en vais, monsieur le comte. Mais avant de vous quitter, permettez à votre vieux professeur de vous adresser quelques mots encore. Cher élève. Cher élève, elle va sonner l'heure de la séparation. Nous ne déclinerons plus Rosa, la rose. Rosée de la rose. Rosam à la rose. Nous ne conjuguerons oh, plus... Assez, assez. Certainement, Pousanias. Ah oui, oui, mais je comprends. D'autres devoirs vous réclament, c'est ça? Enfin, il est parti. Si ce n'est pas malheureux. Lisons vite la lettre de ton grand-père Mathurin. Ça, c'est recommandation. Je serais bien, on est là, bien embarrassée. Mon enfant, mon vieux grand-père, ma soeur, ma soeur, aurait pu venir te faire ce discours difficile. Et si je reste en route, elle pourra me voir. Un vilain accident contre me retient. Et
Comment? C'est tout? On n'eut rien à lui apprendre, lui? Possible? Mais à moi? Mon Dieu, mon Dieu! Ah, maudit Pausanias! Pausanias? Quelle idée? Après tout, c'est mon précepteur. Il faudrait qu'il me dise. Ça rentre dans cette attribution. Je veux lui faire parvenir habillé. Là. Je veux lui faire parvenir avec ces mots. Venez vite. Urgence. Souligné deux fois. Pourvu qu'il ne tarde pas trop. Guillaume. Guillaume. Denise. Déjà. Elles m'ont quitté. Elles m'ont fait toutes leurs recommandations. Ah, c'est elle ou moi. Dis-moi, ma petite Denise, qu'est-ce qu'elles t'ont dit, tes tantes? Je ne sais pas si je dois. Si, tu dois. Eh bien, elles m'ont dit que maintenant, que me voilà mariée, ce n'est plus la même chose qu'autrefois. Je m'en doutais. Que je ne suis plus une jeune fille. Ça c'est juste. Et ensuite? Que j'ai un maître. Et ensuite? Que je dois être bien tous avec lui. Et? C'est tout ce qu'elles m'ont dit. Comment? Mon maître? Pourvu que Pausanias ne tarde pas trop. Je serai bien douce avec vous. Je serai prête à vous obéir à toutes choses. À m'obéir? À m'obéir? C'est que je n'ai rien à lui commander, moi. Eh bien? Oui, oui. Si je pouvais au moins sauver mon prestige en entendant. Et puis, qui sait, cela se prend peut-être tout seul. Mm-hmm.
Quelque chose à me dire? Non, je ne vois plus rien. Alors, bonsoir, Guillaume. Bonsoir, Denise. Dis donc, si vous avez de nouveau, vous me préviendrez. Est-ce qu'on peut entrer? Je ne suis pas indiscret. Mais non, mais non. Parce que si je vous dérangeais... Tiens. Vous êtes seul? Oui. Ah. Quoi? Ah. Rien, rien. Qu'est-ce qu'elle a fait de sa femme? Monsieur Pausanias, je suis très mécontent de vous. De moi, monsieur le comte? Oui, vous. Vous vous êtes engagé à m'apprendre tout ce qu'un homme doit connaître dans la vie. Oui, monsieur le comte, je me flatte d'avoir tenu tous mes engagements jusqu'au bout. Erreur, monsieur, erreur. Comment? Mon éducation n'est pas complète.
Ça, par exemple, pas complète votre éducation. Non, monsieur, pas complète du tout. Vous m'étonnez. Récapitulons. Oui, récapitulons. Après vous avoir saturé des peu d'un cours d'algèbre de chimie, très avant j'y vous ai bourré de grec de trigonométrie. Vous traduisez à l'improper le cantir Gilles de l'Horace, Juvenal qui n'est pas très clair, Juvenal qui n'est pas très clair, Valérius Flaccus, Valérius Flaccus, Essas, Valérius Flaccus, Valérius Flaccus, Essas. La métaphysique, la thérapeutique et la mécanique que j'ai panaché, les dialectiques, la bonne esthétique et de statistique. La métaphysique, la thérapeutique, la dialectique et la mécanique, et quoi cela signifie? Et quoi cela signifie? La métaphysique, la thérapeutique, la dialectique et la mécanique, et quoi cela signifie? Et quoi cela signifie? La métaphysique, la thérapeutique, la métaphysique, la thérapeutique, la dialectique et la mécanique, la métaphysique, la thérapeutique, la dialectique et la mécanique. Physique, la thérapeutique, la dialectique, la mécanique, et quoi ça se fait? Plus de savoterie, la mythologie, la métallurgie, les chiffres filets, la pathologie et l'agronomie. J'ai continué par la phobie et l'astronomie. Puis j'ai terminé à la comédie. La mythologie, la chronologie, la pathologie, la mythologie, la chronologie, la pathologie, la chronologie. Je ne dis pas plus alias. La métallurgie, la chronologie, la pathologie, et quoi celui-ci? Et quoi celui-ci? La technologie, l'hylographie, l'iconographie, l'hydrothérapie, et quoi celui-ci? Et quoi celui-ci? La mythologie, la métallurgie, la mythologie, la mythologie, la chronologie, la pathologie, la mythologie, la chronologie, la pathologie, la chronologie, la chronologie, la pathologie, la chronologie, n'en a pas assez? Non, monsieur, il n'en a pas assez. Il y a encore autre chose. Autre chose? Vous ne m'avez pas appris. C'est vrai. Je voyais bien. C'est vrai, monsieur le comte, mais je ne croyais pas que ce fût de ma compétence. Je vous sens de combler cette lacune. Moi? Vous? Allons, je vous écoute. Mon Dieu, monsieur le comte, c'est que... Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non, monsieur le comte. À votre âge,
que voulez-vous? Je suis si occupé. Et comme ce n'est pas sur le programme des études non plus. Impossible. Je vais m'enseigner. Mais je reviens, je reviens. C'est honteux. Honteux. C'est fini? Bien fini. Cette fois, il faudra attendre demain. Allons nous coucher. Il fait ici une chaleur. On étouffe. Ah, ça ne m'étonne plus. Il tombe de grosses gouttes de pluie. Et il y a là-haut un gros nuage. Je connais maintenant la raison de mon malaise. Épouvantable. Le coup de tonnerre n'est pas loin. Mon Dieu, mon Dieu.
Je ne suis pas ressourie non plus. Comment vous avez peur du tonnerre? Vous? Un homme? J'ai peur. Je n'en ai pas peur. J'en ai peur quand je suis seule. Mais pas quand je suis deux. Ah, et que vous êtes deux. Je suis tranquille. Pourquoi? Parce qu'alors, on n'a qu'à faire une chose. On s'approche, on se rapproche l'un de l'autre. On se prend les mains avec affection, avec beaucoup d'affection. Et alors, ça neutralise les effets de la foudre. Alors, essayons. Essayons.
Monsieur le comte, monsieur le comte. Je vous amène le diable d'enfant. Qu'est-ce qu'il y a? Et je viens de voir un collègue. Attends, je n'ai plus besoin de toi. Mais... Toi, tu t'en allais. N'est-ce pas? Nous n'avons plus besoin de lui. Je crois que non, mon ami. Je vois bien. Mais il y a une chose dont nous avons besoin. Oui, l'indulgence de ces dames et de ce monsieur. Eh bien, pour l'obtenir, faisons-nous petit, 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 faisons-nous petit, 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 petit,